Bonjour tout le monde, c'est Fred pour une petite vidéo pour vous montrer un petit peu ce que j'ai chopé là sur ces derniers vide-greniers, ces dernières semaines. Je crois que je vais essayer de parler un petit peu plus fort parce qu'il me semble que le son n'est pas terrible sur les dernières vidéos, là je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. On va commencer par les objets parce que j'ai des objets à vous montrer, j'ai des BD et des vinyles. J'ai chopé des bons trucs. Bon, les vinyles, c'est vide-grenier et achat aussi sur le net, hein. On va commencer par les objets. J'ai trouvé une belle petite boîte, boîte brochée. Bon, ça doit dater des années 60, 70, je pense. Une belle boîte brochée de... Enfin, de la marque brochée. Du Manège Enchanté. Toute mimi. Parce que je crois qu'il y a des reflets, mais là, je ne peux pas faire autrement. C'est tout mignon. À ma connaissance, il y en a au moins une autre dans une autre différente, hein, dans le même style, mais différente. Bon, les boîtes brochées, bon, vous connaissez, hein, ils ont fait des nounours, pas mal de choses, hein, Saturnin, un peu tout ce qui était ORTF à l'époque. Hein. Ça c'est sympa. Ensuite, je me suis trouvé un puzzle. Enfin, en fait, il y en a trois dedans. Je ne sais pas si ça va vous rappeler quelque chose. Je pense que vous connaissez la série. C'est plutôt rare. Je pense, enfin, plutôt rare à trouver, on va dire. C'est puzzle de Matt et Jenny. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la série. C'était dans les années 80, ça. Voilà, les puzzles sont. C'est les trois photos qu'il y a dessus. Hein. Ils sont complets. Donc c'est plutôt sympa comme achat. Voilà, la boîte a un petit peu arraché là, il y a un petit coup là. Je crois, oui, j'ai scotché un peu parce que sinon le papelard il s'enlève. Je me suis trouvé un beau petit coffret VHS. Voilà. Trois films de zombies. Alors on a Le Retour des Morts-Vivants, 3. On a La Nuit des Morts-Vivants. Et Le Jour des Morts-Vivants. Bon, la Nuit des Morts-Vivants, je l'ai déjà celui-ci. Sympa comme coffret. En plus, je l'ai acheté 1 euro. Oui. 1 ou 2 euros maximum. Mais je crois que c'est 1 euro. Ça, c'est genre. C'était sur un petit vide-grenier, 50-60 explosions. C'est le seul truc que j'ai trouvé. Mais bon, bien content d'avoir chopé ça. Bon, les objets, c'est bon. Ensuite, je vais vous trouver un livre dans la collection Galaxy. J'aime bien cette collection-là. Je ne les fais pas tous parce que bon, il y a des trucs genre Sissi ou ces machins-là, ça ne m'intéresse pas. Mais là, bon, je me suis trouvé un Thierry Lafronde. Collection Galaxy, hein, c'est avec le G là. Ça, vous devez en voir régulièrement. Enfin, oui, un petit peu de temps en temps en vide-grenier. Après, ça dépend dans l'état qu'ils sont. Bon, celui-là, il est vraiment en état, on va pas dire neuf, mais quasiment. Je trouve ça sympa, j'aime bien lire ces trucs-là. C'est un peu enfantin, hein, mais bon. Ça fait comme un grand livre de bibliothèque, quoi, hein, avec des belles illustrations aussi, c'est plutôt sympa, je trouve. Plutôt cool. On va commencer par les BD. J'en ai pas beaucoup, hein, BD. Par contre, bon, je suis content de mes trouvailles. J'ai trouvé un petit Yoko Tsuno, Les Trois Soleils de Vinéa, en réédition. Je me suis pris, bon ça c'est un achat, je l'ai pris à Carrefour, je crois bien. Ouais.
Le Scandale Arès, le dernier Lefranc, qui est très bon. Moi, j'ai trouvé très très bon. Mieux que celui d'avant. Celui d'avant était un peu décevant. Mais celui-ci, bon, l'histoire est bonne. Rien à dire. Attends, je vais garder pour la fin. J'ai trouvé un Sophie. Sophie, il est 4 saisons. Bon, c'est rigolo, c'est mignon. C'est quand même du JDEM, hein. C'est pas rien. Les dessins sont plutôt cool. Jean-Bernard Prince, ça c'est assez rare à trouver en vide-grenier. C'est pas une édition originale, mais bon, celui-là je l'avais pas. J'en ai pas beaucoup d'ailleurs. Donc je suis pas mécontent de l'avoir trouvé. Aventure à Manhattan, une bonne histoire. Herman et Gray, hein, naturellement. Et je me suis trouvé, ça c'était une belle trouvaille en vide-grenier, pour 1 euro. Non, même pas, qu'est-ce que je dis? 50 centimes. Ouais, mais le type, il avait une caisse de BD, il faisait 50 centimes. Et dedans, il y avait celui-ci, le Raon numéro 1. En très bel état. R.A.S., rien à dire. Ça, c'est une super trouvaille. Allez, 50 centimes. J'ai pris d'autres BD d'ailleurs. Enfin, je vous les montre, dont une très bien d'ailleurs. Mais bon, elle est en dessous, là, dans le bordel. Ensuite, on va passer au vinyle. Ça, je vais vous montrer d'abord ce que j'ai trouvé en vide-grenier. Si je vous montre mes achats. En vide-grenier, j'ai trouvé Femme. Série plutôt cool. Dans un collège où ça danse et collège d'art musical et danse, tout le travail, quoi. Hein. Plutôt sympa. Ça date des années 80. Hein. Un Blanche-Neige. J'en avais déjà un en version striée, là, sur le côté, là, celui-là. Mais bon, après je l'ai payé, je l'ai pris. Ça, c'est le mettre aussi. Pollux, le manège enchanté. Belle petite trouvaille, a priori pas évident à choper celui-ci. Excusez les reflets. Ou bien le sigle FR3. Ça, c'est bande originale de film. Un super film. Un des films que je préfère avec Belmondo. Les Mariés de l'an 2. Bon, c'est plus pour l'objet hein, qu'autre chose. Bien que il y a une ou deux musiques qui est assez sympa là-dedans. La musique du générique d'ailleurs est assez sympa. Là, c'est du Michel Legrand. Oui, c'est Michel Legrand. Oui. Ah oui, la sœur de Samy Fray, là-dedans, c'était Laurent Antonelli. Je ne me rappelais plus. Elle était jolie, cette nana. Et les Chevaliers du Zodiaque. Voilà, normalement, il y a une douzaine d'autocollants, bon, ils y sont pas, hein. Je les ai pas dedans. C'est pas trop grave. Alors ça, c'est mes trouvailles en VG. Et après, je me suis acheté. Alors, je me suis trouvé ça. C'est Merveilleux Fou Volant dans leur drôle de machine. Un film des années, je sais pas, ça doit être 50 ou 60, là. C'était vachement sympa. Avec plein d'acteurs connus là-dedans. C'était une course autour, plus ou moins autour du monde, je crois, en avion, mais alors les avions de l'époque, quoi, hein, les avions des débuts 1900, quoi, hein, donc c'est assez rigolo.
Il y a plein d'acteurs connus là-dedans. Stuart Whitman, Sarah Maïs, James Fox, Alberto Sordi, Gert Frobe, Jean-Pierre Cassel, c'est vraiment international. Hein. Terry Thomas, Irina Demick, Yoshiro Ishihara, et je sais même qu'il y a Benny Hill qui joue là-dedans. Il a un petit rôle, mais il joue dedans. Je me suis pris Le mystère de la Grande Pyramide. Là qui est Mortimer, hein, naturellement. Trouvé à pas trop cher. Ils sont tous en bon état. Hein. Je me suis pris La bataille des planètes. J'ai failli partir sur le 45 tours, mais bon, ce qui m'intéresse aussi, le 45 tours, mais parce que je le trouve joli, mais bon, je préfère quand même les 33 tours. Et le clou du spectacle, je me suis pris, bon, ça c'était pas évident parce que bon, là j'ai mis un billet, il a fallu que je passe un peu au tourniquet, mais je le voulais dans ma collection absolument, Tintin et le lac aux requins, en état quasi neuf. J'adore ce dessin animé là. Voilà les amis, on a fait le tour. J'espère que tout le monde va bien. Je vous souhaite une bonne semaine, puisque bon, je vais la mettre, je pense, aujourd'hui, hein, on est lundi. Bonne chine si vous cherchez des trucs. Portez-vous bien. A plus, bientôt.